Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo que je suis très excité de vous présenter car ça fait un moment que je veux la sortir et que je veux la préparer. Alors, si vous commencez à voir des similitudes entre les différents extraits, eh bien, vous l'aurez deviné, cette vidéo traitera sur les interceptions. Donc, avant de se lancer sur les différentes techniques et de vous montrer comment, laissez un petit like sur la vidéo, partagez, laissez un commentaire, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aidera grandement dans mon parcours. Alors, sans plus tarder, on se lance pour la vidéo sur les interceptions. Alors, pour commencer, nous avons différents types d'interceptions. Alors, nous allons commencer par le light intercept. Donc, c'est quoi le light intercept? Light, c'est pour attaque rapide, donc attaque light medium. Donc, lorsque vous interceptez avec un coup rapide. Idéalement, vous devez faire un combo de 4 coups, reculer et faire une attaque rapide. Si vous commencez votre combat avec des coups rapides, vous pouvez faire 3 coups rapides, ensuite un coup moyen et on recule, attaque rapide. Donc, lorsque vous interceptez par une attaque rapide, eh bien, votre combo, évidemment, commencera par un coup rapide. Donc, vous pouvez faire interception, rapide, médium, on recule, rapide, médium, on recule, et ainsi de suite. Donc, c'est une technique, une des premières techniques d'interception, de loin la moins risquée. Maintenant, le medium intercept, donc interception par l'attaque moyenne. Eh bien, il y a deux façons de faire. La plus simple, c'est de tenir le bloc. Donc, vous créez une distance et vous tenez le bloc. Et lorsque votre adversaire charge, vous chargez à votre tour. Donc, vous faites une attaque moyenne. Donc, une attaque medium en anglais. Alors, voici la technique pour la medium. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de bloquer, mais c'est beaucoup plus risqué. Vous créez votre distance, puis vous chargez et vous souhaitez que votre adversaire vous charge à son tour et vous allez pouvoir l'intercepter par une attaque moyenne. Donc, idéalement, plus facile en tenant le bloc. Ensuite, interception par les SP. Je ne prendrai vraiment pas beaucoup de temps pour en faire le tour. C'est super simple. Vous interceptez par les SP. Donc, lorsque l'adversaire vous charge, vous pesez sur le bouton de SP et vous lancez votre SP. Donc, on peut reculer pour éviter le coup. On peut attendre qu'il charge. C'est vraiment les deux techniques super simples. Ensuite, nous avons l'interception que j'appelle le Fury Intercept. Pourquoi le Fury Intercept? C'est pour terminer son combo avec un coup rapide et ensuite reculer et refaire un coup rapide pour une interception. Donc, en quoi elle servira cette technique? Et c'est bien simple, c'est pour justement Nick Fury. Vous terminez votre combo avec un coup rapide, vous infligez le gros segment, vous reculez et vous faites une attaque rapide et vous faites moyen, rapide, moyen et rapide pour infliger le segment comme vous voyez à l'instant. Donc rapide. Donc vous pouvez mettre une attaque moyenne pour faire un coup de plus. Alors maintenant, comment jouer Full Intercept? Je vous donne des éléments clés sur cette vidéo sur comment intercepter. Donc, idéalement, si vous voulez intercepter, assurez-vous que votre adversaire n'est pas de barre de SP. Donc, si vous vous lancez sur lui ou vous essayez de l'intercepter par une attaque rapide, il peut vous lancer un SP. Si vous tentez de forcer les interceptions, l'intelligence artificielle le décèlera et vous fera un combo. Il a des fois parfois un petit léger timing avant de frapper. Donc, si je recule, des fois, je peux attendre une fraction de seconde avant de frapper. Aussi, c'est important de cibler les ouvertures et surtout, pratiquez-vous en VS. C'est toujours bien important de se pratiquer
Moi, je me pratique principalement en VS. Et voici, je vous présente maintenant un combat full interception avec les différentes interceptions que j'ai fait pendant le combat. Donc, les interceptions medium, light, donc les interceptions moyennes et rapides. Alors, c'est un tout à prendre en compte. Donc, comme j'ai dit, ça ne sert à rien de forcer les interceptions. Les interceptions devraient être en dernier recours. Mais si vous apprenez à jouer en full interception, ça peut être très, très bien. Mais ne le faites pas, ne forcez pas les interceptions. Comme j'ai dit, l'intelligence artificielle s'en rendra compte et va contrer ce gameplay. Alors, on fait très attention. On provoque les esprits. C'est ce que j'aime beaucoup et c'est pourquoi j'ai un ami, d'ailleurs mention à Doudou. La technique du SP1, donc pourquoi je provoque souvent seulement le SP1? C'est bien simple. Lorsque l'on joue full interception ou lorsqu'on veut prendre le moins de dégâts dans la garde, plus on joue avec le SP et plus on a de chances de ne pas prendre de coups dans la garde ou dans le bloc. Donc, on s'entend que le SP1 est beaucoup plus rapide à obtenir que le SP2. Donc, si on tient un rythme de combat de cette façon, ça peut très, très bien se faire. Donc, dans ce combat contre Heimdall, toutes mes interceptions de façon moyenne ne réussissent pas. Donc, il y a eu une interception moyenne en début de combat, mais pour ce qui est du reste, raté à tout coup. Donc, on doit faire le plus possible avec nos interceptions, soit par les SP, soit par les attaques rapides, soit par les attaques moyennes. Donc, on arrive déjà presque à la fin du combat. Donc, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo rapide sur les interceptions. Mais j'espère qu'elle vous éclairera un peu plus et j'espère qu'elle vous aidera. Et avant de terminer, mention spéciale à Guillotine 2099 si vous voulez vraiment vous assurer de maîtriser le concept des interceptions. Eh bien, Guillotine 2099 est excellente pour ce faire. Donc, Guillotine 2099 MVP pour les interceptions puisqu'elle a une portée gigantesque, mais vous allez pouvoir vous pratiquer à tester les interceptions moyennes, les interceptions rapides, les interceptions par les SP de façon plus facile. Et chaque personnage a des façons différentes d'intercepter. Par exemple, Nick Fury, les interceptions par coup rapide, puisqu'il a une toute petite portée. Les interceptions rapides fonctionnent très bien, mais on doit avoir un léger timing, comme expliqué un peu plus tôt. Donc, c'est de connaître beaucoup les champions aussi, mais c'est aussi de bien connaître l'intelligence artificielle et savoir quand et où attaquer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournoi des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.